La rivière va se jeter dans la rivière Lee, dans la ville. Il y a deux rivières qui traversent le centre-ville de Guilin, c'est la rivière Lee et la rivière des pêchers. Notre hôtel, l'hôtel Osmanthus de Guilin, et c'est bien situé au bord de cette rivière. Hein. Et le soir, devant l'hôtel, il y a beaucoup de gens qui font la danse, ils chantent. Hein. C'est vivant, animé. Bon, je crois que tout. La ville de Guilin n'est pas étendue, 700 000 habitants habitent sur 54 km². Hein. Devant, il y a le pont imité à les centres 3 sur la Seine. Là, hein. Et à droite, le pont orange, c'est le petit Golden Gate. Ah oui, le petit... c'est ça, hein. Derrière l'Arc de Triomphe. Plus loin, hein, l'Arc de Triomphe. Plus loin, derrière le Golden Gate. Ça, c'est en bas, c'était la douve. Fossé douve qui a été creusé pendant la dynastie des Tang, il y a 1300 ans. Hein. C'était pour protéger la cité de Guilin à droite. Hein. Maintenant, la douve est transformée en un lac intérieur de la ville. Et au milieu de la ville de Guilin, il y a la rivière Lee. Parce que la rivière prend sa source dans les montagnes aux 90 km au nord de Guilin. Et coule du nord au sud, traverser la ville de Guilin, jusqu'à Yangshuo, après jusqu'à Canton. Et entre la rivière Lee et la Douve, il y a deux écluses. On peut monter le bateau de la rivière dans le lac. Le soir, il y a les bateaux qui font les croisières, hein, promenades dans le lac. Ils seront éclairés, hein, les arbres, les montagnes, et seront éclairés. Hein, c'est très joli. Hein. Ce soir aussi, devant l'hôtel, il y a la rivière des pêchers. Hein. Vous pouvez aussi faire une sortie, promener un petit peu. Mais aussi, Guilin, Yangshuo, c'est des lieux hyper touristiques. Donc, il faut faire attention aux pipoquets. Quand vous faites sortir, promenez en dehors, hein, et surveillez, mettez les sacs devant, hein, sur le ventre, pas sur le dos. Hein, parce que ça existe, le pipoquet. Hein.
C'était la seule souci, la seule chose. Hein. Même à droite, il y a le petit rempart, hein, quelques traces historiques qui subsistent jusqu'à nos jours. Hein. Il a été bâti en 800 ans avant. Hein. Il y a un petit morceau, petit tronçon de rempart. Hein. Ça s'est bâti il y a 800 ans. Et à Pékin, vous avez visité la cité interdite, n'est-ce pas? Ça, c'est le troisième empereur de Ming hein, qui l'a fait construire. Et il y a aussi les princes de Ming. Ils ont vécu à Kuilin pendant 14 générations à partir de 1372 jusqu'à 1645. Ils ont vécu là devant. Hein? Devant, il y a une colline avec un kiosque. Hein? Là en bas, il y avait l'ancienne résidence des palais, ou bien on peut dire la cité interdite des princes de Ming. Hein? Et on va voir aussi un petit le rempart, l'ancien rempart, hein, tout autour. Hein? Ça, c'était aussi construit au 14e siècle. Après leur mort, ils sont enterrés dans la banlieue de Kuilin. Hein. Ça s'appelle le tombeau des seigneurs Qingjiang de Ming. À la regarder à droite, hein, on voit même aussi le morceau de rempart. Hein. Mais la Seconde Guerre mondiale, des Japonais, ils ont ruiné la ville. Hein. Ça ne reste pas une grand-chose. Ils ont bombardé pendant 2 semaines, l'année 44. Et les collines, hein, c'est toujours la solide. Hein. Les collines en face de nous s'appellent Fubo, F-U-B-O. Si on dit plus poétiquement, des collines antiquées arrêtées des vagues. Les marées de la rivière, hein, la colline des vagues syndiquées. Hein. C'est après le déjeuner, hein, on va faire la visite de cette colline. Il y aura 325 marches. Mais après l'apéro, je crois que tout le monde est en pleine forme. Hein? Pas sûr, on verra. Hein. Voilà, c'est là, hein, à gauche. Après le déjeuner, pour cette colline. Voilà, c'est pour ceux qui veulent. Ah, oui, parce que, comme le grand Luke, il a dit, il y a 300 marches. Voilà. Bon, c'est aujourd'hui, comme il pleut pas, hein, voilà, ça va. Mais parce que quand c'est mouillé, c'est difficile.